bonne fête. Se demander ce que l'Amérique fait pour soi, mais ce qu'on fait pour son pays. Nous devons avoir la même philosophie, le même langage pour tous les autres. On le veut ou pas, c'est nous qui la génération d'aujourd'hui. Dans 10 ans, c'est vous qui serez à nos places, vous serez devenu président, ambassadeur. Donc il faut être conscient, savoir qu'on ne détruit pas le bien de nous.
détruit par la Guinée, on peut ne pas être d'accord sur tout ce qui est sur certains points, mais on doit rester unis autour de la Guinée pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que s'il y a des problèmes chez nous, nous avons la frontière avec 6 pays, il y a eu des problèmes partout comme chez nous. On doit être heureux d'avoir maintenu ce pays dans la stabilité, dans la paix, et faire tout, on doit faire tout pour qu'on s'entende et qu'on parle le même langage. Même si on n'est pas d'accord, même dans une famille qui n'est pas d'accord avec tous ses enfants, chacun a son avis. Donc c'est très très important, très très important. Et c'est mon message, et c'est ce que je dis partout où je passe. Je souhaite que les gens... Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, à tous les Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou à l'étranger, je voudrais leur souhaiter une joyeuse fête d'indépendance. Justement, en même temps, de dire que le chemin que nous avons fait est un chemin vraiment important. Ça s'en fait un an. Mais que chacun aussi, pleinement sa partition vis-à-vis des défis qui nous interpellent, les défis en termes de promotion de la jeunesse, de développement économique, de consolidation des acquis démocratiques, de renforcement des institutions républicaines. Tout cela pourra effectivement contribuer à faire de notre pays une Guinée véritablement unie, paisible et démocratique. J'espère à l'intérieur. C'est unique que nous pouvons tous. Si nous sommes unis, nous pouvons atteindre nos nobles objectifs. Nous devons avoir les mêmes objectifs essentiels, nous devons déployer les mêmes moyens pour atteindre ces objectifs. Mais il faut tout faire pour éviter le démon de la division. Parce que si nous sommes divisés, nous ne pouvons rien faire de grand. Donc, message d'unité, message de concorde. Malgré les différences d'appréciation, malgré les différentes positions politiques, je pense qu'il est possible, tout comme nous sommes unis pour acquérir l'indépendance, que nous puissions aller vers le centre du développement économique et social de la France. Merci.